Dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, on a collaboré avec EH Lab pour organiser différentes animations sur les troubles psychiques. EH Lab nous a beaucoup aidé sur la création de contenu, différents supports, mais aussi une campagne d'affichage. On a à ce titre réalisé un premier support de sensibilisation sur les différents troubles psychiques. Et d'ailleurs, c'était un support très, très pertinent parce que du contenu sérieux et presque scientifique, si je puis dire. On a aussi réalisé, enfin EH Lab a réalisé avec nous un petit jeu, un petit goodies à distribuer aux collaborateurs qui a d'ailleurs très bien marché. Et donc cette fameuse campagne d'affichage, l'idée était de communiquer autour de l'idée une personne sur quatre peut être touchée au cours de sa vie par un trouble psychique et est touchée au cours de sa vie par un trouble psychique. Concernant la campagne de terrain qu'on a mise en place grâce à EH Lab sur nos différents sites, on avait tout d'abord cette appréhension de traiter la thématique des troubles psychiques. C'est toujours difficile de l'aborder en entreprise. Et finalement, on s'est rendu compte que la manière détournée qu'on a utilisée, par exemple simplement avec ce petit goodies qu'on appelle la cocotte, ce petit jeu qu'on avait à l'école primaire, c'était une manière originale et percutante pour le salarié. Une manière qui nous a permis d'aborder ces sujets-là de façon un peu détournée. On a eu de très bons retours. Bien sûr, il y a toujours des retours un peu compliqués, mais globalement, cette approche a plu aux salariés. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la collaboration avec l'agence EH Lab, c'est l'idée que vous proposiez des idées au-delà du cadre que l'on propose, des idées de pérennité, si je puis dire, des actions. Si je devais qualifier la collaboration avec l'agence EH Lab, je dirais dans un premier temps créativité, dans un second temps expertise, sérieux et sympathie dans la collaboration. La créativité dans les propositions de contenu, dans la manière de les mettre en valeur, des manières très, très originales, mais aussi l'expertise, en tout cas sur la question du handicap et notamment des troubles psychiques, puisque c'est le sujet sur lequel on a travaillé, une vraie expertise de qualité. Je dirais une sorte de champ de couleurs difficilement palpable. Je n'arriverai pas à cibler une couleur spécifique parce que dans les propositions qu'a fait EH Lab, il y avait cette idée de ne pas rester dans l'image fixe, mais d'être dans une vue de l'esprit. Un lémurien. Parce que le lémurien a des gros yeux comme ça et est toujours intéressé par ce qui se passe autour. Je dirais la joie. Pourquoi la joie? Parce que d'une part, l'équipe est toujours très, très proactive et a une manière de présenter les sujets de manière très, très joyeuse. Et parfois, ce sont des sujets difficiles à aborder autour des thématiques du handicap. J'ai hâte de voir les nouvelles propositions pour une potentielle future collaboration avec EH Lab.